pas m'amuse, j'insulte, je le tabasse. Il avait une vie normale avant que je le fracasse. Il se défend même pas, je commence à me lasser. Quand je vois sa tête, ça me fait trop rire, il fait pitié. Mais maintenant j'ai un problème, je peux plus m'arrêter. Et devant les potes, faut que je garde la face. Je peux plus reculer. Je peux plus reculer, je peux plus reculer. Un jour quelqu'un m'a vu en scène et ça l'a choqué. Il a eu envie que ça s'arrête, il m'a balancé. Un jour quelqu'un m'a vu en scène et ça l'a choqué. Il a eu envie que ça s'arrête, il m'a balancé. Ils sont plusieurs à mettre la pression, personne n'y fait attention. Pour ces petits cas être plein de frimes, je vaux rien, je suis qu'une victime. Je peux plus le supporter, tout ça c'est trop, ma vie s'écroule sur le poids de leurs mots. Je voudrais leur échapper mais ils sont partout et personne voit les larmes couler sur mes joues. Pas compte. Souvent j'y ai repensé, j'ai eu une honte paralysée par la peur, je pouvais pas intervenir. Pourtant il fallait bien qu'ils arrêtent de souffrir. Ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Humiliation. Il peut même plus sortir de chez lui. Intimidation. Un jour j'ai vu la scène et ça m'a choqué. J'ai eu envie que ça s'arrête, je les ai balancés. Un jour j'ai vu la scène et ça m'a choqué. J'ai eu envie que ça s'arrête, je les ai balancés. J'ai tellement mal au fond. Quand je le vois, je sens de la tristesse.